Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un indie game qui s'appelle The Black Earth et qui essaye de me lancer une démo toutes les 30 putains de secondes. C'est un jeu de combat fait avec Mugen. C'est un créateur de jeux de combat, oui oui ça existe. Et bah du coup on va jouer à ça. Ouais, si je vous jure, waouh, on va jouer à ça, ouais. Bien sûr c'est un jeu gratuit et il y a le lien dans la description de la... Waouh, pourquoi ça comme ça? On va aller en mode story, c'est un jeu de combat à la Street Fighter comme ils disent, sauf que moi j'ai jamais joué à Street Fighter. Et on va prendre... on va prendre la bonasse. Vas-y, c'est quand tu veux, hein. Ah bah voilà. La fille du prince, chapitre 5. Ouais. Oh, il y a une histoire. Waouh. J'espère qu'il n'y a pas de texte en anglais à lire, parce que là je vais être dans la merde, hein, s'il faut traduire en direct. Mais non, visiblement c'est cinematic style. C'est classe. Papa. Ouais, non, j'arriverai jamais à vous traduire ça en direct. Faites la traduction vous-même. Ou alors, je vais faire à l'edit, vous mettre la traduction en français, écrite. Ça marche aussi. Je ne peux pas le croire! Malgré mes seins qui sont à moitié couverts, je ne peux pas le croire. C'est impossible, c'est incroyable. Ah! Wow, l'œil rouge. Ouh, ça c'est mauvais. Quand t'as un œil rouge, ça veut dire que t'es maléfique. Si c'est un jeu à la Street Fighter, comment je fais les quarts de cercle et tout avec les touches fléchées de mon clavier? Parce que j'ai essayé, je ne peux pas utiliser ça. J'ai essayé de configurer mes touches, mais ça ne marche pas. Donc je sais pas. Elles sont longues ces cinématiques de début. Anansi versus Animus. Wow. Bonjour. Oh là là, c'est quoi ce truc? Ah, je sais pas ce que je fais. Je martèle les touches comme un taré. Ah, meurs. Je fais des combos. Je sais même pas comment je fais. Tu vas crever, saloperie. Oh. Oh putain, c'est moi ou mes coups font quasiment rien quoi. Attends. J'ai fait un truc là. Voilà. Tiens, prends mes pics de dos. Prends mes pics de dos. Non, tu veux pas prendre mes pics de dos, ça me va très bien. Allez, bon, on va essayer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. J'ai trouvé comment faire ce truc là. Allez. Non, tu me feras pas chier. Alors pour se protéger, il faut maintenir la touche arrière. Ok. Tu es mort. Tu ne m'as pas eu. Ah, Nanzi a gagné. Ouais. Oh, il y a deux rounds en plus. J'aurais dû configurer pour mettre un round. Je déteste les combats qui sont en deux rounds. Parce que moi, le deuxième round, je le perds automatiquement. Je sais pas comment je fais tout ça. Je vous jure, je suis en train de marteler mes touches comme un taré. Ça, apparemment, c'est le quart de cercle. C'est l'attaque quart de cercle. Elle fait quoi? Elle lui met des petites gifles? Tiens, tu vas mourir avec mon attaque de pique du dos. Ha! Acupuncture! Je t'ai niqué. Anansi a gagné et balance plein de... Ouh! Oh, quand elle gagne et elle se dénude la poitrine, il faut que je gagne plus souvent, moi. What the fuck? Je dois combattre ce truc? Ah non, il n'y en a qu'un seul.
Je sais pas comment je fais tout ça. Me demandez pas comment je fais ce coup là. Je martèle mes touches, je fais comme dans Street Fighter et ça marche. Tu vas mourir. You win. Allez, je vais te massacrer la gueule, tu vas voir, je vais faire plein de coups spéciaux que je sais jamais comment je les fais, mais c'est pas grave. Je suis en train de marteler mes touches comme un taré, et tu vas mourir, bestiole bizarre qui ressemble étrangement à un pénis avec des dents. Et moi j'ai une poitrine qui se balance de tous les côtés, je suis l'équivalent de Chun-Li version gothique. Ouais, et je le bats avec un coup spécial que je sais absolument pas comment je fais. Oh, ils ont différentes poses de victoire en plus. Anandi versus Hachi Parmentier. Allons battre le Hachi Parmentier. Bonjour Hachi Parmentier. Ouais, ouais, c'est ça. Crash par terre. Bonjour. Eh oh, c'est moi qui dois taper le premier. Toi, tu es juste un ordinateur. Tu ne vaux rien contre moi, tu vas crever. Allez. Pourquoi je me fais défoncer en fait. Et oh, on me jette pas des graines à la gueule, ok. Mais oh, hey. On se calme. Hey, mais pourquoi je me fais défoncer là tout d'un coup? Mais vas-y, je martèle mes touches comme d'habitude, mais ça. Ah. Putain, je crois que c'était une attaque spéciale ou quelque chose du genre. Ok, d'accord. Alors attendez, quart de cercle, voilà. J'essaye encore. Quart de cercle, mais quart de cercle, connasse. Je suis en train de me faire défoncer dans un coin, vas-y. Allez. Ah, ça y est, j'ai fait un truc spécial, je sais pas comment j'ai fait. En fait, dans ce jeu, marteau et touche fonctionnent très bien. Et je t'ai de nouveau explosé avec un coup spécial que j'ai aucune idée de comment je le fais. Oh, elle s'est déguisée en Père Noël. C'est mignon. J'adore les jeux de combat, moi, parce que les personnages se sentent obligés, quand ils sont féminins, de porter des toutes petites tenues qui ne les protègent pas le moins du monde pour le combat. Bon, encore là, c'est du gothique, hein, donc je peux comprendre. Après, j'ai aucune idée de la culture gothique, hein. Si vous êtes gothique vous-même et que vous vous sentez insulté par ce jeu, c'est pas ma faute. Je suis en train de te massacrer la tronche, et je fais des coups spéciaux que je sais pas comment je les fais, en fait. Bon, pour l'instant, c'est facile, hein. Bon, j'ai choisi le mode de difficulté facile, hein. J'allais pas être taré au point de... Allez! Mais meurs! Non, tu vas pas faire d'attaque spéciale! Non! Je t'ai bloqué! Enfoiré! Anansi versus Noroko. Oh, la fille de The Ring. Arrête de te marrer comme ça. Allez, la fille de The Ring, on va voir si tu sors de ta télé, là. Oh, putain, elle est flippante, elle. C'est mon boss ou quoi? Allez, on va finir une campagne et après s'arrêter là parce que... Fais un quart de cercle, espèce de salope. Fais une attaque spéciale, enfin, voilà. Là, je vous jure que je suis en train de violer mon clavier. Et ça marche. Je suis en train de violer mon clavier et ça marche. C'est ça qui est beau. 1, 2, fight. Tu ne me touches pas. Tu ne m'approches pas. Tu es flippant. Et tu jettes du sang. J'aime pas les gens qui jettent du sang. Oh là 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 là. Non, les téléportations, ça j'aime pas. Hein. Mais t'as souvent quelqu'un qui se balade sous ta jupe pour faire des coups. Allez, fais ton coup spécial, espèce de connasse. Ah, merde, je me suis fait défoncer. Aïe. Allez, quart de cercle enfin, mais fais ton attaque spéciale, espèce de... J'essaye de faire des quarts de cercle, je vous jure que j'essaye, mais... Là, je sais pas ce que je fais. Deux autistes qui se combattent quand même, c'est... Allez, allez! Fatal, quoi, fatal.
Non, elle est bientôt morte là, j'ai pas envie de faire un troisième round, pitié. Putain, elle m'a... Ah, je me suis fait défoncer dans un coin là, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, Kokoro a win, mais ça va pas... Enfin, Noroko, Kokoro, non. Kokoro. Mon dieu, je regarde trop d'animes, moi. Bon, il faut que j'apprenne à appuyer sur la touche arrière pour me protéger. Mais oh, mais comment je... Quand elle marche au plafond, je fais quoi, moi? Mais putain, mais elle fait des attaques spéciales tout le temps, quoi. Voilà. Moi aussi, je sais en faire, enfin. Bon, je sais pas en faire, mais... Voilà, j'en fais même deux de suite, tu vois. Rien que pour t'emmerder. Je crois que j'ai compris comment ça marchait. Waouh, j'ai réussi à me protéger. Non. Pas tout à fait en fait. Non, mais elle va me défoncer quoi. Eh, je me protège là, sérieux. Oh, celle-là elle va me faire chier. Ouais. Noroko wins. J'ai droit à un continue? Yes. Ah oui, toujours avec. Avec un Andy, oui. Avec qui veux-tu que je combatte? Je veux son histoire à elle. Wow, je suis noir maintenant. Pas d'offense au noir qui me regarde, hein, s'il y en a. Mais sérieux, mais arrête de me défoncer dans un coin, j'en ai marre de ça. Je préfère la tenue rouge, hein. Ça fait mal, hein. Même si je sais pas comment je le fais, ça fait mal, hein. Mais comment elle fait ça? Mais ça m'énerve là, crève enfin! Loupé! Pas loupé! Mais putain! Mais comment du sang peut me faire mal? C'est du sang acide ou quoi? Wow! Je me téléporte devant elle, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Je vais me faire défoncer, hein, comme d'hab. La première fois, j'ai dû gagner par chance, en fait. J'arrive pas à la battre, cette fille. J'arrive pas, putain. Ça me saoule. Ouais, ça fait des trucs creepy. Tu restes au sol. Ou alors, j'essaie de spammer le coup de pied. Non, c'est pas le genre de truc qui marche, ça. Vas-y, fais ton attaque, voilà. Mais putain. Elle m'attaque en permanence. Je suis pas un pro des jeux de passe-temps. Moi, j'ai juste eu de la chance jusqu'à maintenant. Putain, il y a un peu de pitié. Et arrête de me pourrir dans un coin. Là, j'ai l'impression de jouer à Rise of the Robot. Bordel de merde. J'ai pourtant mis la difficulté sur facile. Vous imaginez un peu en hard ce que ça donne? Ouais, c'est la fille de The Ring, hein, je suis désolé. Oui, je veux toujours Anansi, bordel. Bouge-toi. Ouais, c'est bien d'être suspendu, momifié au plafond, si tu veux. Ok, t'es vraiment creepy, hein. Bon, je vais continuer à faire ce que je faisais déjà, c'est-à-dire marteler mon clavier comme un taré et espérer que ça marche. Parce que ça a marché jusqu'à maintenant, après tout. Ah, mais putain, mais... Non, mais sérieux, c'est impossible, là. J'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas, sérieux. Et en plus, elle me bourrine. Vous savez, ce que j'adore avec ce genre de jeu, c'est que l'ennemi, il connaît toutes ses touches. Toi, par contre, tu galères à les trouver, hein. Ouais, c'est... Attendez deux secondes, hein. Merde. Comment ça, escape, ça te fait revenir au menu? Putain de merde. Les bandes de salauds, quoi. Bon, je vais vite aller voir les touches. Anandi. Alors, crawling beats, bas... non, c'est pas ça que je fais tout le temps, moi. J'utilise que les pieds. Alors, bas, droite, coup de pied. Bas, gauche, coup de pied. Ok. On va rester sur cet écran.
Ouais, c'est bon, j'ai pas envie de voir deux trous du cul se battre. Et je m'en fous de l'histoire, je vais essayer. Alors, bas droit, trou de pied. Et oh, mais... Ah, voilà. Ah, d'accord, ça, ça marche. Et ça marche une fois sur mille, en fait. Mais tu vas faire quelque chose, bordel, espèce de connasse. Voilà, ça c'est bien, je vais juste spammer ces deux attaques que j'arrive à peu près à faire. D'accord. D'accord, j'ai à peu près compris comment faire cette attaque. Allez, allez, allez. Mais ça marche une fois sur 200, quoi. Vas-y, bon. Je vais te finir en coup de pied simple, juste pour l'humiliation. Voilà, puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 16 minutes 10 que j'enregistre cette vidéo, donc... Donc, eh bien voilà les gens, c'était The Black Hurt, un indie game de combat qui est facile au début et qui tout d'un coup te fout tout dans la gueule. C'est pas synonyme de bon, mais franchement, il est sympa. En plus, il y a toute une liste de coups et tout, c'est... Daskete, ok, cette fille-là, elle est clairement reprise d'un monstre du folklore japonais, enfin d'un film japonais, je sais plus comment ça s'appelle. Celle qui a les cheveux qui vont partout, là, qui a la mâchoire pétée. Enfin bref, tout ça pour dire, si vous voulez essayer le jeu par vous-même, allez-y, c'est un bon jeu. Hein, j'essaierai de finir une campagne en solo sans l'enregistrer, hein, juste pour voir ce que c'est, pour voir ce que c'est la fin. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime sur la vidéo, de la commenter, de la partager avec vos amis, de la partager sur vos réseaux sociaux. Et finalement, de vous abonner, même si je l'ai déjà dit, et bien sûr de laisser un j'aime. Voilà, sur ce, je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband, pour vous servir, bye. C'est quoi qui me poursuit? J'aimerais savoir ce qui me poursuit, c'est Dark Vador visiblement. Tu n'es pas mon père. On n'est pas dans Star Wars. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh... Je sais pas, je vais aller par là. Apparemment, il est bloqué par des grillages. C'est très con ce machin. Je sais pas du tout.